c'est la curiosité qui mène à la découverte de l'autre et à la découverte de soi. On vient découvrir des spectacles, des choses artistiques, de la musique. Moi, je pense qu'il ne faut pas être connaisseur de la danse. Il faut tout simplement sentir, être en connexion avec l'autre. Et c'est quelque chose qui est universel, accessible. On dit amateur, donc ils aiment la danse. Où tout le monde va trouver quelque chose à quoi s'accrocher et qui va faire écho à son histoire, son passé et ce qu'il a envie aussi de construire pour demain. Quand le danseur est vrai, qu'il soit traditionnel, contemporain, de n'importe quel danse, c'est la bonne danse qui compte, eh ben c'est de toucher l'autre au plus profond de son être. D'abord, c'est une rencontre humaine. Le Festival des Traces a cette belle chose qu'on a du temps pour se rencontrer, pour échanger. Et je trouve fantastique l'esprit de ce festival, de bénévolat, de personnes enthousiastes. Et ses valeurs, mais c'est aussi toute cette équipe qui s'embarque dans cette même direction, avec beaucoup d'humanité. Et je trouve extraordinaire cet esprit de partage humain. Une humanité qui se rencontre et qui partage, et ça c'est très très beau. Et ça en fait un des plus beaux festivals que je connaisse dans le monde. Et ce documentaire, dans ce beau cinéma de Cahors sur grand écran, moi-même, j'ai été bouleversée. Danser l'espoir. Mais l'espoir, ce n'est pas un vain mot. L'espoir, c'est de regarder la réalité en face. Le festival Traces Contemporaines regarde la réalité en face. Quand je danse, en fait, je suis dans une discussion, d'abord avec moi-même, puis avec les gens qui m'observent et qui sont venus m'observer, donc écouter mon discours, ce que j'avais à dire, à raconter et à partager avec eux. Je dis aussi aux danseurs, si vous avez le plaisir vous-même, vous donnez du plaisir à l'autre. Et le public, si vous êtes vrai, ben ils sont touchés. Ils sont touchés même s'ils ne sont pas des connaisseurs. Et ce sont les amateurs qui nous font vivre, hein. Donc, venez, soyez curieux. Il y a des choses qui vont vous toucher, d'autres pas, mais c'est comme dans la vie. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces temps où on se rencontre, on se retrouve autour d'un artiste, autour de la musique, de la danse. Et voilà, c'est une très bonne raison de venir à la rencontre de l'équipe des Traces Contemporaines, qui est une équipe fabuleuse. Si vous avez du plaisir, que vous dansez pour vous et pour votre plaisir, eh ben, les gens qui sont en face vont ressentir votre joie du corps, votre joie de danser, et le partage est fait.